Il y a une différente énergie d'être sorti le soir, you know, Montréal, pauvre Montréal. On est toutes seules pendant toute l'année. Fait que là, on peut se rassembler, faire le big party. Moi, je veux faire partir de ça. Moi, j'aime pas les foules, mais être devant la foule, it's good. Yeah. J'ai être petite, puis I don't like les aisselles des autres. Si je mesurais 6 pieds 7, no problem. Hey, get out of my way. Mais I don't like it. Mais être sur le stage, ça, c'est, you know, ça fait comme, OK, tu fais partie du le feeling festival pendant l'été. Et on va avoir une plus grosse section de horns. Et ça, ça donne toujours une bonne affaire parce qu'il y a une belle complicité quand il y a quatre ou plus hommes qui jouent un horn. Yeah, exactly! Mon meilleur moment, puisque c'était la première, on était tout à l'aise. Le feeling ce vendredi-là était incroyable. Il y a peut-être 100 000 personnes, puisqu'il pleuvait toute la semaine avant. Et là, quand c'était notre temps, c'était la scène des jardins. C'était intime, mais c'était énorme. Puis on était juste quatre personnes, like, même pas un kick drum. Et j'ai déjà dit ça aux autres, mais j'ai beaucoup trippé sur le fait d'être immense, puissant, mais pas agressif. You know, de remplir cet espace de notre musique, it was un trip. Brrr, et je me souviens, et c'est une de mes... Like, c'est ça que je veux.